Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petit déballage unboxing avec la société VIP Cross Stitch. J'ai reçu un mail donc le 7 juin et j'ai reçu le colis le 22 juin. Voilà. Donc j'ai choisi 3 kits point de croix. Je vais les déballer hors caméra et on va regarder tout ça ensemble. Donc à tout de suite. Donc le premier modèle c'est celui-ci, donc un kit en 16 ECT. D'ailleurs les trois kits seront en 16 ECT, donc de la marque Joy Sunday. Donc là vous avez donc le ECT, hein, le 16, brodé à deux brins. Donc là la dimension 22 sur 22, et là vous avez la référence. Donc le modèle c'est celui-ci avec la petite fille. Donc j'ai demandé des 16 ECT pour pouvoir faire les tests sur les toiles. Comme chez la compagnie Son Nom, ça ne s'efface pas, j'ai voulu tester chez eux. Voilà. Donc, Joy Sunday, c'est toujours ces petites pochettes en plastique, bien pratiques, hein, avec les instructions au dos. Donc, je ne m'étale pas dessus parce qu'on a vu et revu toutes les instructions. Je vais le mettre là-bas. Voilà. Donc, le diagramme, regardez. Donc, il est tout mignon. Il y a trois modèles avec cette petite fille. Donc, j'ai choisi celui-ci, je le trouve trop mignon. Donc, vous avez un petit peu de point arrière, mais ça va. C'est le contour de la jeune fille et puis dans les fleurs. Alors, ça, je vais le mettre là. Donc là, vous avez la suite de la grille. Ici, vous avez la légende. Donc, c'est pas mal. C'est dans les nouveautés, ça. Donc, ici, vous avez les symboles que vous avez sur ce diagramme. Et en bas, vous avez les symboles que vous avez donc sur la toile. Parce que sur la toile, en général... Donc, dans les kits Joy Sunday, les symboles ne sont pas les mêmes que sur la grille en papier. Donc là, c'est bien, c'est parce qu'ils ont mis les deux ensemble. Donc ici, bah, c'est le petit rappel de l'image avec les références. Et là, selon si vous avez pris du 9, du 11 ou du 14, mais ils ont oublié le 16. Mais c'est pas grave, on le sait. Donc, au niveau des couleurs, on a 21 de points de croix. Et par contre, pour le point de croix, non. Le point arrière, je vais y arriver. On a 6 références. Non, je vous dis des bêtises. Non, non, je recommence. Donc, du coup, on a 25 couleurs de points de croix. On a 3 couleurs de demi-points. Et on a 6 couleurs de points arrière. Voilà. Et en tout, on a 29 fils de couleurs. Parce que, du coup, les points arrière, ça va jusqu'à 29. Vous voyez? Donc ça, c'est pour donc cette petite fiche, donc qui est toute mignonne. Donc je pense que celle-ci, elle sera vite faite. Mais bon, je ne vais pas la faire tout de suite. Hein. Donc voici la toile. Donc 16 ECT, comme je vous disais. Donc vous avez la petite légende ici. Donc les premières lignes, donc c'est les numéros que vous retrouverez bah, ici, sur la cartonnette. Hein. Là, les numéros ici en couleur. Là, c'est les symboles que vous retrouvez uniquement sur cette toile. Et là, c'est les références des couleurs DMC. Donc là, c'est le point de croix. Ici, le demi. Et là, le point arrière. Voilà. Donc, c'est une petite toile toute mignonnette. Donc là, il n'y a pas les points arrière. Donc, je trouve que ça y est. Ils ont enfin compris que ça ne servait à rien de mettre les points arrière sur les diagrammes pour Joy Sunday. Elle est toute mignonne. Elle est bien imprimée. Regardez de près ce que ça donne. Tout mignon, mignon. Voilà, donc elle est vraiment très jolie. Alors au niveau des couleurs, ben, elles sont très mignonnes aussi. Donc là, le petit sachet, comme d'habitude, hein, avec les deux petites aiguilles. Alors, on va pousser ça. Regardez. Donc les coloris, je veux dire. Et que le matin, je bafouille déjà. Alors, comment je peux faire? Peut-être parce qu'il y a trop de choses là. Parce qu'il a du mal à faire le point sur les couleurs. Je ne sais pas ce qu'il a ce matin. Donc, voici les couleurs. J'essaye d'avancer. Donc, ça, c'est bon. Et voilà. Et le reste. Donc, toujours un petit bout de fil qui embête. Voilà, comme ça vous n'avez plus les fils arrière qui vous gênent. Bah, je vais y arriver, hein. C'est un sketch ce matin.
Voilà. Donc de très très jolies couleurs. Bon, ça c'est pour le premier kit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... Alors j'essaie de centrer parce que... Je vais mouiller une partie. Je vais prendre une petite éponge que j'ai. On va mouiller une petite partie. On va quand même tester parce que c'est le but, hein, quand même. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est la même toile que les autres. Alors, on va mettre ça comme ça dedans. Est-ce que vous voyez? Parce que je suis hors caméra, là. Ça part un peu parce que c'est un peu rouge. Hein. Alors, peut-être que c'est plus long. Quand même un espoir que ça parte par rapport au, à la compagnie son nom. Mais, ouais, je sais pas. Je crois pas. Hein, parce que le 11, ça part instantanément. Mais là, c'est vraiment bizarre. Parce que la toile... Ouais. Où je laisse comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser comme ça. Le temps pour moi de finir l'unboxing, je vais le mettre sur le côté. Ici. La suivante, c'est celle-ci. Donc j'avais trouvé trop beau celui-ci. Donc vous avez donc ici le nombre de CT à broder à deux brins. Donc elle fait 28 sur 26. Donc ce chat, il est juste magnifique. Et donc là, vous avez donc la référence. Donc c'est un Maine Coon. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Ça, on va le mettre là. Donc ici, on a la grille. Donc ce qui est bien, c'est pareil que tout à l'heure. Hein. On a les symboles de la grille en papier et les symboles de la toile. Alors après, nous avons 41 couleurs pour le point de croix. Du point de nœud, il y en a une seule, donc du blanc. Et pour le point arrière, il y en a 7. Voilà. Donc, mais en tout, on a 41 couleurs. Hein. Il n'y en a pas plus. Et au niveau du diagramme, voici ce que ça donne. Bon, j'essaie de regarder parce que l'autre jour, j'ai remarqué que j'étais pas trop centrée. Mais là, je suis dans la chambre d'Inès. Donc, c'est vrai que c'est pas mes habitudes. Voilà. Donc, il y a un petit peu de poids arrière, mais pas trop. Hein. C'est au niveau des fleurs, des yeux et du petit museau et des petites moustaches. Donc là, les petites moustaches de ce côté-là. Là, ouais, bah, donc... Vous avez les fils, hein, le rappel de l'image, et les références, et le nombre de CT. Et pareil que l'autre, ils n'ont pas rajouté le 16. Donc ça, on va le mettre là. Alors, les fils, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a deux cartonnettes avec le petit sachet, les deux aiguilles. Donc, une première partie ici. Voilà ce que ça donne. Après... Voilà, donc j'enlève la cartonnette, on va la mettre là. Hop. Donc voilà, une première partie des couleurs. Donc trop trop jolies ces couleurs. Alors là, hop, je la replace bien. Donc voici les autres couleurs. Ah, voilà, j'enlève ça. Et voilà, un petit aperçu des autres couleurs. Donc on va regarder la toile. La toile qui est toute mignonnette, regardez. Elle est toute belle cette toile. Alors là, vous avez donc toujours la référence, donc le Maine Coon en anglais. Hein. Les petits symboles. J'ai du mal avec cette position. Hein. Alors c'est tout petit par contre. Il hein. Faut avoir des très bons yeux ou des loupes. Parce que regardez. Là, c'est parce que je vous l'approche. Sinon, c'est petit petit. Hein. Ouais, tout, vraiment tout petit. Donc la première colonne, hein, comme d'habitude, c'est sur les cartonnettes de fil. Là, ce sont les symboles. Donc que vous retrouvez ici. Et les références des couleurs DMC. Donc là, vous avez le point de nœud et le point arrière.
Donc voici la toile. Donc elle fait 135 points sur 127. Et bah c'est une partielle parce que du coup, il n'y a pas là sur le tour, vous n'allez pas broder. Vous voyez, tout le contour ici, c'est juste les petits points ici, là et là. Donc il est tout mignon ce chat, vraiment tout mignon. Donc elle est très bien imprimée. Donc j'essaie de vous l'avancer un peu. Très très bien imprimée. Après avoir une fois qu'on brodera, parce que c'est vrai qu'il y a des fois on le voit que quand on brode, mais comme ça m'a l'air pas mal hein, quand je regarde de près. J'essaye de regarder si ça déborde pas, ça me paraît correct à première vue. Donc voilà pour ce chat. Donc là je vous ai montré tout le kit pour ce chat. Donc il y avait les fils, la toile, le patron. Donc je vais le mettre de côté et on va regarder le troisième. Alors déjà bonne nouvelle, parce que ça s'efface, regardez. Donc ça commence à s'estomper. Donc ça c'est pas mal, vous voyez. Donc je pense que la compagnie, son nom, devrait prendre cette toile-là. En tout cas cette matière, parce que c'est pas la même chez l'autre compagnie, on va dire, parce qu'il n'y a pas de nom. Donc c'est pas la même matière et c'est pour ça que ça s'efface pas. Voilà. Donc il devrait s'inspirer des toiles de Joyce Sunday. Je vais mettre ça sur le côté, c'est pas grave, je la ferai en point compté cette toile. Alors la troisième, c'est la plus grande. Et c'est aussi une 16CT. Donc voici le modèle. Donc c'est ce renard avec ses jolies roses. Donc ici, vous avez donc le nombre de CT, toujours 16. De brun, elle fait 39 sur 42. Donc là, vous avez la référence. Et là, vous avez donc le nom en anglais de la toile. Celle-là, elle est un peu plus grande. Elle a déjà plus de mal à sortir. Donc ça, c'est la fiche. On va la mettre là. Et le diagramme qui est un peu plus grand. Donc là, vous avez, regardez, les fils. Toujours avec les symboles du diagramme papier et de la toile. Donc nous avons... Pas que je me trompe, hein. Toc, toc, toc. 83 couleurs de points de croix. Nous avons du demi-point de croix. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13. 13 demi-points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs pour le point arrière. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, 83 couleurs de points de croix. Il y a pas mal de jolies couleurs en plus. Hein. Le renard, il est vraiment très beau. Donc là, bah, écoutez, hein, c'est la, ça, c'est les symboles de la toile. Oh là 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 là, je vais y arriver. J'ai un petit peu de mal. Hein. Je crois que c'est la semaine qui m'a fatiguée. Et je voulais vous faire cet unboxing quand même pour vous montrer. Donc c'est sous format de petit livret, hein, comme d'habitude, avec ce papier glacé un peu épais. Donc là vous avez donc une petite partie du diagramme. Donc quand c'est barré comme ceci, bah, c'est du demi-point de croix. Donc voilà, donc la partie en haut à gauche du, de l'image, hein, comme vous voyez là-bas, au niveau de l'oreille. Jolie rose, vraiment très jolie. Donc là, c'est la partie en haut à droite. Donc là, c'est la partie gauche, pas tout à fait en bas. Regardez ça, comme il est beau. Il est magnifique. Et puis, ses couleurs, elles sont splendides. Ça, c'est la partie en bas à gauche. Et donc, celle-ci, ça doit être la partie... Ah ben non, c'était l'autre. C'était celle-là, la partie en bas à droite. Donc ça, c'était au milieu, au niveau de là. Voilà, donc ça c'est pour le diagramme papier. On va découvrir la toile. Oh, les couleurs, elles sont trop trop belles. Elle est magnifique hein, cette toile. Elle est trop trop belle. C'est original. Hein. 83 couleurs, vous imaginez un peu. Oh, va y avoir du boulot hein, quand même, parce qu'il y a pas mal de changements. Donc là, comme d'habitude, vous avez toute la colonne ici. Ici pour le point de croix, ici pour le demi-point et ici pour le backstitch point arrière. La référence en haut. Au niveau des points, ça donne 202 sur 223. Et au niveau de l'impression, bah écoutez, elle est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout.
C'est très soigné, je trouve, hein, chez Joy Sunday. Je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Est vraiment très belle, cette toile. Je regarde de près ce que ça donne. Hein. Mais à première vue, comme ça, hein, j'ai le nez dessus, sur la toile, hein, il n'y a pas de décalage. Hein. Après, je peux passer à côté. C'est déjà arrivé que quand je commence une toile, je veux dire, il y a des soucis, mais là, j'en vois pas. Donc, je vous montre quand même de près ce que ça donne. Donc, pour du 16 ECT, c'est quand même mieux imprimé que la compagnie sans nom. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous montrais la toile Disney. C'est quand même mieux imprimé. Hein. Le travail est quand même mieux là. Voilà. Donc, c'est pas mal. Elle est vraiment très très belle. Ouais, c'est pas mal. Alors là, par contre, j'essaie juste de regarder un truc. Hein. Parce que là, effectivement, il y a des tout petits points. Alors, attendez. À côté, là, vous voyez, des tout petits petits. Ceux-là, à la rigueur, c'est vrai que c'est vraiment petit. Quand c'est des symboles qui remplissent, ça va. Mais là, vous voyez, en l'occurrence, il y a quand même des points qui sont très petits. Alors, je vais essayer de voir si je les repère sur. Bon, j'ai trouvé du coup les codes. C'était bien le point. Le demi-point de croix. Et c'était cette référence. Les petits carrés violets. Alors, effectivement, on ne les voit pas trop bien. J'essaye d'avancer pour vous montrer. Et puis là, j'ai le contre-jour. Alors, attends. Comme j'ai la fenêtre en face. Voilà, donc ces petits points que vous voyez ici. Voilà, il faut vraiment faire un zoom pour voir ces deux petits carrés. Donc c'est du demi-point de croix. Mais quand vous le voyez comme ça, sans loupe, c'est vrai que ça fait petit. Alors, mais il y a peut-être des endroits où vous aurez effectivement besoin de prendre le patron, mais quand même moins que que la compagnie sans nom. Voilà, dans l'ensemble, elle est vraiment très très bien faite. J'adore. Donc on va regarder. Les fils. Donc là, il y en a pas mal. Donc je vais. Il y a trois cartonnettes en tout. Hop, faire ça. Et ça. Donc là, vous avez les deux petites aiguilles. Donc les premiers fils. Voici. Donc, une petite vue d'ensemble, hein. Vous voyez, donc elles sont magnifiques. Donc, ça, c'est OK. Ici, alors les autres couleurs. Donc, ça, c'est pour la première cartonnette. On va mettre là-bas. Hop. Donc là, vous avez une partie. Donc regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Elles sont très très belles. Hein. Et voici donc une autre partie. Encore des couleurs splendides. Voilà. Et la dernière cartonnette. Je vais faire. Une petite vue comme ceci et voilà. Ici. Petite vue et voilà. Donc ça, c'est pour les fils qui composent ce kit. Donc le dernier kit point de croix. Donc je vous ai tout montré normalement avec ce kit. Donc la magnifique toile. Donc vraiment très très belle celle-ci. Hein. Donc le diagramme. Donc là le kit légende hein, ici. Et donc là, la page de présentation. Je vais refaire le point sur la toile qui est en train de. Qui est dans l'eau, tout simplement. Je vais retirer celle-ci parce que ça serait dommage que je l'abîme. Donc pour clôturer cette vidéo, regardez.
Là, elle s'efface. Bah, pas tout à fait, mais ça fait pas longtemps que je l'ai mise. Donc du coup, j'ai bon espoir avec Joy Sunday. C'est vrai que du coup, la compagnie sans nom devrait prendre la toile, bah, la même que ça, parce que je pense que avec la compagnie sans nom, ce qui dérange, c'est la toile qui n'est pas tout à fait en coton. Alors que là, je pense que c'est plus coton. À moins que ce soit l'encre. Hein. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur toile, en tout cas. Mais celle-ci, c'est nickel. Donc ça, c'est pour donc la petite grille. Bon, je vais la laisser sécher, je vais la laisser comme ceci. Parce que du coup, le diagramme, il n'a rien. Il n'a pas été effacé. Et la petite légende non plus. Bon, une petite partie, mais c'est pas grave. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux kits Joy Sunday 16CT. Alors, on va faire le point sur le tarif des kits. Le chat, celui-ci, que vous voyez là, du coup, il est à 5,81 €. Donc, c'est une toile qui fait 28 sur 26. Donc, en 16CT Joy Sunday. Le renard que vous voyez ici. C'est du 16CT 39 sur 42 cm à 11,88 €. Et vous avez donc la petite fille où j'ai fait le test sur la toile pour voir si ça s'effaçait. Donc celle-ci, elle est à 3,80 € et elle fait 17 sur 25 cm. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. J'ai un code promo de chez VIP Cross Stitch. Il me semble que c'est Elisa07. Mais je vous le remets tout de suite ici, et je vous le mettrai dans la vignette. Donc, comme ça, si vous voulez vous faire plaisir avec cette petite réduction, en plus des réductions qu'il y a sur le site, ben voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée ou un bon week-end, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!